Excusez-moi. Alors, comment se sont passés tes examens? Très bien, très bien. J'ai presque mon diplôme en poche. Je te félicite. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts. Et merci de m'avoir donné une journée pour passer mes épreuves. C'est normal. Quand réintègres-tu le magazine? Là, aujourd'hui même. Il se trouve en plus que j'ai fait des super photos pour Mauricio et Carlotta représentant le couple parfait. C'est vrai. C'est bon, on y va? C'est parti. Parfait. Tout est bien qui finit bien. Éthique, responsabilité sociale, ce sont tous les thèmes que nous allons aborder. Tu as toutes les informations. Parfait. Merci bien, je vais les apprendre par cœur pour demain. Tu as l'air d'être hyper heureuse. Salvador t'a donné une excellente nouvelle. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ma fille a été victime d'une grande injustice et je crois que c'est ce qui m'a motivée pour m'engager dans la police. Grâce à Dieu, des témoins commencent à apparaître. Ta fille a la tête sur les épaules, elle est intelligente. Je l'imagine mal se mettre dans l'embarras. Et si, pourtant, il y a des choses qui se passent. Des gens qui ne veulent pas assumer leurs erreurs. Écoutez, je ne vous en dis pas plus, non pas parce que je n'ai pas confiance en vous, mais voilà. Oh, c'est tellement absurde que vous penseriez que je suis complètement dingue. Ah non, Anna, bien sûr que non. Moi, plus rien ne me surprend. Mais rassure-toi, si c'est confidentiel, je comprends très bien. Oh, Eh bien, en fait, c'est... Ma fille a été inséminée par erreur dans une clinique et ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Quoi? Comment ça? Non, attends. Ta fille est enceinte à cause de l'erreur d'un médecin? Elle n'a pas... Non, non, elle est vierge. Ruana est vierge. Vous voyez, c'est très difficile à croire. Ils l'ont inséminée et ils ont dissimulé toutes les preuves. Mais Salvador a retrouvé l'infirmière qui s'est occupée de ma fille. Et normalement, aujourd'hui, elle va avouer tout ce qu'elle sait. Tu as complètement perdu les pédales. J'ai vu à la télé ce que tu as fait. Saboter le meeting de Raphaël est vraiment d'une stupidité. Et pour couronner le tout, tu frappes ton père. Non, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu voulais que je fasse quoi, maman? Que je m'écrase comme tu le fais toi? Rogelio doit comprendre qu'il ne doit plus jamais lever le moindre petit doigt sur toi, que tu n'es pas seul. Mais enfin, Umberto, on n'agit pas comme ça, réfléchis. Non, arrêtez! Imbécile! Tu as toujours été la pire honte de toute ma vie. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux me ridiculiser comme ça devant tout le pays? Réponds! Ah, ma belle, enfin te voilà. Oh, quelle journée épuisante. Ah oui, j'imagine, tu dois être exténuée, hein? Mais tu t'en es sortie super bien. Bienvenue à la maison, Madame le maire. Merci. Allô? Ruana, c'est maman. Chérie, écoute, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très bonne? J'ai un boulot à remettre, là. Carmen est réapparue, l'infirmière qui s'est occupée de toi. Qui t'a dit ça? Salvador. Il y a un problème? Mais ils sont sûrs? L'infirmière a parlé avec le directeur de la clinique et elle va aller le rencontrer. Salvador, lui, va en profiter pour l'interroger. Ma chérie. Justice sera bientôt faite et on saura toute la vérité. Ruana, mon ange, dis-moi quelque chose. Oui, maman, c'est une grande nouvelle. Oh, l'infirmière qui t'a reçue à la clinique est à l'origine de toutes ces confusions et elle doit assumer ses responsabilités. Oui, tu as raison, mais bon, mieux vaut en parler plus tard. Tout va changer, mon petit cœur, et en bien, tu verras. Je doute qu'elle t'ait donné une bonne nouvelle, Ruana. Non, non, si, en théorie, si. David, est-ce que tu pourrais sélectionner les photos? Dis-moi ce qui se passe. C'est un truc au sujet de ma grossesse que je ne t'ai pas raconté, mais on aura tout le temps d'en parler. Où est-ce que tu vas? Quelque part où je ne voudrais plus retourner. Mais bon, je dois y aller.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes, espèce de tu pervers? Ne parles pas comme ça. La ferme. Maintenant, par ta faute, je suis la risée de toute la ville. Réponds-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour te rayer de ma vie une bonne fois pour toutes? Je veux que tu te tiennes le plus loin possible de moi. Je me tue à te le répéter depuis toujours, depuis le jour de ta naissance. Alors commence par foutre la paix à ma mère. Parce que la prochaine fois que je m'aperçois que tu la maltraites, tu finis entre quatre planches, espèce de salaud. Quoi? Je crois qu'en définitive, ta fillette est, comment dire, bien plus drôle que je ne le pensais. Toi, tu oses me lancer des menaces? Maudit imbécile. Rogelio, non! Vas-y, frappe! Qu'est-ce que t'attends? Stop! Ça suffit. Si tu touches une seule fois à mon fils, c'est moi qui t'envoie dans l'autre monde. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. Juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, día a día. Virgen de la calle, sí, la fe. Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Baisse cette arme, Lucien. La nuit dernière, j'ai compris que tu étais toujours un monstre. Tu fiches la paix à Umberto. C'est déjà fait. Je te laisse ta mauviette qui pleurniche de douleur. Tu n'es qu'une ordure. Je ne sais pas comment j'ai fait pour t'aimer, ne serait-ce qu'un jour. Baisse cette arme, maman. Il n'en vaut pas la peine. Crois-moi. Maman. Maman, tu es supérieure à lui. Tu l'as toujours été, je te le jure. À moi, tu peux faire ce que tu veux, Rogelio Rivas. Mais à mes enfants, tu n'y touches pas, tu m'entends? Je t'interdis d'y toucher. Tu es une débile mentale. Et c'est à cause de ses débilités qu'il est devenu le pervers qu'il est. Et par ta faute, Lucia, parce que tu l'as élevé comme un assisté, comme un parasite. Tu peux parler, c'est ce que tu as fait toute ta vie. À profiter, à exploiter tout le monde, Rogelio. Qui est le parasite ici, hein? Qui? Je vous préviens tous les deux. On va garder nos distances. Que je ne vous prenne pas à marcher sur mes plates-bandes. Et je ne marcherai pas sur les vôtres. À partir de ce moment, c'est chacun de son côté, chacun sa vie, chacun la mène comme bon lui semble. Est-ce que c'est clair? Mauricio, Vivi vient de m'apprendre quelque chose que tu dois savoir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête? Quand tu es arrivé, je t'ai demandé pour ta femme, parce que si elle avait été avec toi, je n'aurais pas osé te le dire. C'est au sujet de Rogelio Rivas, ton beau-père. Eh ben, dites donc, monsieur Rogelio, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Mais bon, on dirait que votre fils Umberto a eu la main un peu lourde, non? Que voulais-tu me dire? Je voulais vous rapporter que j'ai réussi à parler au contact que nous avons dans la police. Et apparemment, il y a un problème à la clinique de fertilisation. Celle qui a traité Juana Pérez. Il y a une infirmière qui est disposée à révéler tout type d'informations en rapport avec cette grossesse. Je dois parler immédiatement à ma fille.
Papa? J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Juana Pérez est en contact avec la clinique de fertilisation. Et il y a là-bas une infirmière qui veut tout raconter. Quoi? Je dois raccrocher. Je voulais simplement que tu le saches. Tu ne sais toujours pas que notre fille est fragile en ce moment avec tout ce qui se passe. Elle est capable de faire une grosse bêtise après avoir entendu une nouvelle comme celle-là. Il fallait que je l'avertisse. Ce n'est pas toi qui te plains toujours que je ne fais jamais rien pour mes enfants. Non, Rogelio. Comme tu m'as toujours demandé de me tenir à l'écart de tes affaires et de ton monde, eh bien j'exige à mon tour que tu te tiennes le plus loin possible de mes enfants. Parce qu'ici, la famille, c'est moi. Tu entends? Carlotta, qu'est-ce qu'il y a? Qui était-ce? Pourquoi, à chaque fois que je crois que tout va bien dans ma vie, cette maudite Juana apparaît pour tout détruire? Désirée, elle va parler. L'infirmière est en route pour la clinique et va tout raconter. Qui ça? Carlotta, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. J'ai l'impression que ma vie est en train de me glisser entre les doigts. Carlotta, si cette infirmière parle, c'est cuit, on a perdu. Tu perds Mauricio et on ne peut pas l'accepter. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ton beau-père a effectué des travaux pour la mairie et a systématiquement gonflé tous les coûts. Oui, il y a des surcoûts sur presque tous les matériaux. Et surtout sur le fer. Qu'allons-nous faire de cette information? Si elle est rendue publique, elle va porter préjudice à ton beau-père et à l'entreprise de ta femme. Vivi, si je dois agir contre mon beau-père, sois certaine que je le ferai. Mais avant, je veux que nous revérifions scrupuleusement chacun de ces documents, un à un. D'accord. Ce serait abominable de salir le nom de Rogelio Rivas par erreur. Rogelio est l'un des hommes les plus respectables de cette ville, précisément grâce à son honnêteté. Excusez-moi. Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout, David. On a terminé. On y va, Vivi? À plus tard. Pardon. Faut qu'on vérifie tout ça. Un problème, David? Tu as décroché un reportage? Non. Tu sais que je n'aime pas mélanger les affaires personnelles et le travail, Mauricio, mais voilà, ça ne peut plus attendre. Je veux qu'on parle de Juana. Nous devons tenter quelque chose. Oui, mais quoi? Se rendre à la clinique, affronter cette infirmière et l'obliger à fermer son clapet. J'en sais rien, c'est pas aussi facile. Et si l'infirmière a déjà tout révélé? Il n'est jamais trop tard pour récupérer ce qui t'appartient. Tu ne peux pas accepter qu'il t'enlève Mauricio de cette manière. Tu en es bien consciente. Il devient urgent d'évincer Juana Pérez de ta vie une bonne fois pour toutes. Et là, nous avons une occasion en or de lui porter le coup dont nous rêvions. Carlotta! Oh! Il n'est pas question que tu ailles où que ce soit. Juana et moi sommes très proches. Surtout depuis tous les événements qui se sont passés dernièrement. Oui. Je sais que tu l'as aidée pour qu'elle puisse présenter ses examens et que tu l'as accompagnée quand ce malade a essayé de l'assassiner chez elle. Tu n'as pas à me le rappeler, David. Si, justement, Mauricio. Parce qu'en dehors d'être mon chef, tu es aussi mon ami depuis pas mal de temps. En plus, tu es le premier à qui je t'ai dit mes sentiments pour Juana. Tu m'en as fait part quand je ne ressentais rien pour elle. Ou plutôt, quand je ne m'étais pas rendu compte que je ressentais quelque chose pour elle. Mais aujourd'hui, tu sais où tu en es. Les choses sont un petit peu différentes. Il y a même eu ce scandale de tes photos avec Juana. Photos que tout le monde a vues, Mauricio. Qu'est-ce que tu veux savoir, David? Si je ressens toujours quelque chose pour elle? Oui. Je veux que ce soit clair, Mauricio. Parce que malgré toute l'amitié que nous nous portons, je crois qu'il est très important que... Mauricio. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai besoin d'une signature pour ces documents. C'est assez urgent. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Excusez-moi, Lucia, mais je ne peux pas. Carlotta est mon amie et je dois rester avec elle. Je vous en prie, laissez-nous y aller. Vas-y, s'il te plaît. Laisse-nous seuls. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans le fait que Mauricio apprenne que l'enfant que porte Juana est le sien? Je ne peux pas le permettre, maman. Comment vas-tu l'empêcher? On ne peut pas revenir sur ce qui est fait. Par contre, on peut se débrouiller pour faire jouer la vérité en ta faveur, ma chérie. Non. Non, ce n'est pas possible. Si Mauricio l'apprend, je peux dire adieu à mon cou. Je t'en prie, Carlotta, c'est la fin de rien du tout. Au contraire, c'est maintenant justement que tout commence.
Docteur, je vous en prie, aidez-moi. Carmen? Madame Carmen Peralta, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'avez trahi. Je vous avais supplié de ne rien dire à personne. Maintenant, nous sommes condamnés tous les deux. Ne bougez pas. Allons, calmez-vous, Madame Peralta. Si vous opposez de la résistance, ce sera pire pour vous, alors calmez-vous. Non, je refuse d'aller en prison. Il n'est pas question que je moisisse là-bas, à cause de votre erreur. Par votre faute, maintenant, tout va empirer. Carmen, je devais le faire. Tout cela est allé trop loin. Ma réputation, celle de la clinique, tout ça est un jeu. Ah, et la bondo, votre réputation, quand par derrière ces gens vous assassinent. Un moment, Madame Peralta. Quels gens? Quelqu'un vous a menacé? Calmez-vous et baissez ce coupe-papier. Vous venez avec moi au commissariat. On va au commissariat et là-bas, nous pourrons parler tranquillement. Vous pourrez me dire tout ce qui s'est passé. Laissez-moi partir ou sinon je me suicide et j'emmène la vérité de Juana Pérez dans ma tombe. Je regrette vraiment, mais je n'accepte de chantage de personne, Carmen. La seule à qui vous faites du mal ici, c'est vous. Vous comprenez? Vous ne savez rien. Que faites-vous, Carmen? L'inspecteur pense que je n'en suis pas capable. Mais racontez-lui, docteur. Dites-lui qu'une infirmière sait parfaitement à quel endroit il faut enfoncer la lame pour créer une belle hémorragie. Que personne ne pourra arrêter. Vous n'êtes pas une meurtrière, Carmen. Vous ne seriez pas capable d'aller jusqu'au bout. Pour sauver sa vie, n'importe qui serait capable de le faire. Madame Peralta, je vous en prie, ce geste pourrait vous envoyer en prison. Seulement si vous m'attrapez. Vous préférez que j'élimine le docteur Monsalvé? Docteur, vous n'avez rien? Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Je t'en prie, Carlotta, calme-toi. T'apitoyer sur ton sort ne va absolument rien résoudre. Tu dois être beaucoup plus intelligente que tous ceux qui t'entourent. Comment? Alors dis-moi comment, j'ai tout essayé. D'ancrer chez Mauricio l'idée que Juana mentait, qu'il n'y avait aucune possibilité que cet enfant soit de lui. Et pourquoi? Tout s'écroule, maman. Tout est en train de s'effondrer. J'étais enfin heureuse. Après toutes ces années, j'étais enfin heureuse de voir Mauricio dans la rue. De le voir sourire avec sa volonté de changer cette ville. Et moi de l'appuyer, d'être la femme à ses côtés. Et tout ça pourquoi? Pour que Juana apparaisse et que tout s'écroule sous mes pieds. Écoute-moi bien, Carlotta. Lorsque tout chancelle autour de toi, ma fille, que tu crois que plus rien n'est sûr, même dans ces moments-là, tout est possible. Carmen, montez! Carmen, montez, faites-moi confiance, je vais vous sortir de là! Allez, approchez-vous! Oh, vite, vite, démarrez! Juana, arrête! Juana! Juana, reviens ici tout de suite! Juana! Voilà, Inès, tous les documents sont signés. Merci, Mauricio. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bon, alors, tu me disais que nous sommes de grands amis, que nous avons une grande amitié, que nous devons être sincères l'un envers l'autre. C'est ça, non? Je suis amoureux de Juana. Je l'aime sincèrement, Mauricio, et ça m'est égal qu'elle soit enceinte. Et tu n'attaches aucune importance au père de son enfant? Je ne sais même pas qui c'est. Peut-être que tu le connaîtras bientôt. Si ce type réapparaît, ce sera trop tard, Mauricio. Et s'il ne veut pas élever cet enfant, je le ferai. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Que je vais faire tout mon possible pour que Juana m'épouse et que nous formions une famille ensemble. Son enfant, elle et moi. Hé, où est-ce que vous étiez cet après-midi? Il me semble que je vous ai vu dans la rue. Pour qui te prends-tu pour me demander ce genre de choses? Ici, la patronne, c'est moi, Lily. Ne l'oublie pas. Et ce coquard? Vous ne l'auriez pas reçu il y a quelques heures lors d'un meeting avec le maire? Je me trompe. Tu voulais me voir? Vivi, rappelle-moi ce que je t'ai demandé. Dis-moi ce que je t'ai demandé. Je ne comprends pas, Alfredo. Pourquoi fais-tu le contraire de ce que je t'ai demandé? Quoi? Ne fais pas l'idiote avec moi! Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais demandé de me prévenir si tu trouvais quoi que ce soit sur l'entreprise de mon père. Alors explique-moi pourquoi tu cours dans le bureau de Mauricio lui remettre ton rapport avant de me le montrer.
stressez pas, Carmen. Personne ne nous a suivis. Mais pourquoi vous m'avez sauvée de ce policier? Le docteur Gonzalez a demandé de parler seul avec moi avant de mourir. Il m'a dit que c'était vous qui aviez confondu mon dossier avec celui de Rosa Andrade. Si vous savez que je suis responsable de votre grossesse, pourquoi est-ce que vous m'avez sauvée? Je ne comprends pas. Écoutez, Carmen. J'ai juré au docteur Gonzalez de ne pas porter plainte contre vous pour que votre famille ne paye pas votre erreur. Et vous ne pouvez pas le faire non plus. Ce qui est fait, et on ne peut malheureusement pas revenir en arrière. Mais comment? Je n'arrive pas à le croire. Après vous avoir fait passer pour une folle quand vous êtes venue pour vous plaindre, vous arrivez quand même à me pardonner. Non, Carmen. La seule chose que je veux savoir, c'est qui est le père de mon enfant. Vous devez bien le savoir. Oui. Elle et moi, nous le savons. En fait, j'ai dû l'avouer à Madame Carlotta. Carlotta? Oui, elle avait... Comment dire, peu de temps après, elle avait découvert toute l'histoire. Juana, nous t'avons inséminée avec un échantillon de son mari. De Mauricio? Donc vous me dites que le papa de mon enfant est Mauricio Vega? Oui. Non. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, non, le père de mon enfant ne peut pas être... Mauricio Vega est bien la personne qui a donné l'échantillon de sperme. Et sa femme le savait. Non, 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 non! Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi est-ce que je vous mentirais alors que vous venez de me sauver des mains de ce policier? Oui, bien sûr. Je suis sûre que c'est Carlotta. C'est Carlotta qui vous a ordonné de me dire ces horreurs, c'est sûr. Non, non, bien au contraire. Madame Carlotta Vega m'a offert de l'argent. Elle a acheté mon silence pour que non, je me taise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit Mauricio parce que la banque de sperme a brûlé. Elle a brûlé. Rosa était son unique chance d'être père. Non, ça c'était avant, Juana. Je vous jure que je suis en train de vous dire la vérité. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? C'est tout ce qu'il me reste maintenant. Je n'ai plus que ça. Mauricio Vega est le père de votre bébé. Et Madame Carlotta était pratiquement au courant de toute l'histoire depuis le début. Tu t'es un peu calmée à présent? On peut parler sans que tu te fâches? Non. Tu me demandes de mettre mon mariage au feu et tu crois que personne ne sera brûlé? Je suis en première ligne. Maman, si je dis à Juana que l'enfant qu'elle attend est de Mauricio, elle va m'enlever mon mari. Ce sera encore plus dangereux si cette jeune fille se rend compte par elle-même qu'elle a été inséminée avec un prélèvement de ton mari parce qu'elle jouera les victimes. Non seulement pour être la mère biologique de l'unique enfant que Mauricio pourra avoir dans sa vie, mais aussi pour être la pauvre vierge qui a sacrifié son avenir pour ce bébé. Parce que soyons bien clairs, Carlotta, Juana aurait pu avorter et elle ne l'a pas fait. Très bien. Tu as gagné, dis-moi ce que je dois faire. Tu dois affronter Juana Pérez. Et cet affrontement doit avoir lieu aujourd'hui même. Te marier avec Juana, c'est ça? Oui. Où est le mal? Quand l'amour est là, il faut le saisir, Mauricio. Le mal serait de le laisser passer, pas vrai? David, je crois que je te connais plutôt bien. Et je sais que tu ne crois pas au mariage ni aux engagements. Ça, c'était avant de rencontrer Juana. C'est la seule femme qui m'ait donné envie de construire un projet de vie, un véritable avenir. Tu es sûr que tu prends ça au sérieux? Que l'amour ne se sera pas envolé quand elle t'aura dit oui? Aucun doute, Mauricio. Même si Juana est très jeune, je sais que c'est la femme de ma vie. Tu sais, je comprends. Beaucoup plus que tu ne le crois. Juana est une femme merveilleuse. Le courant est très bien passé avec elle et j'ai tout de suite... ressenti cette fabuleuse jeunesse que j'avais totalement oubliée. Juana est parvenue à me sortir de l'ennui que j'éprouvais au travail et de cette dépression dans laquelle j'étais tombé. Je voulais à tout prix être père alors que je ne pouvais pas. Juana m'a redonné l'envie de vivre, David. Oh,
Je regrette, c'était un accident, une terrible erreur. Ce jour-là, le docteur Rodriguez était absent. C'était la confusion dans tout le service. Je me suis mélangée dans les dossiers. Et le docteur Gonzalez a simplement fait ce qu'il devait faire. Oui, ça c'était ce jour-là. Mais après? Hein? Après, quand je suis venue vous demander des explications? Vous avez fait comme si vous ne me connaissiez même pas. Il y avait tout d'un coup plus d'historique, plus de traces de mon dossier médical, comme si je n'étais jamais venue. J'ai réagi comme ça parce que j'avais peur. Et le docteur Gonzalez était littéralement atterré. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Vous voulez savoir ce que ça signifie pour moi? Ça signifie devoir parler à sa famille, qui vous fait confiance. Et leur dire que vous êtes enceinte, mais que vous ne savez pas comment. Ça veut dire revenir en arrière et analyser chaque jour écoulé en se demandant tout le temps si on ne m'a pas droguée ou abusée de moi. Qu'il m'est peut-être arrivé quelque chose d'horrible. Je peux comprendre. Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le regard de mes collègues de travail, des gens de mon quartier. Parce qu'être enceinte, c'est pas une raison pour avoir honte, mais moi je n'ai rien demandé, d'accord? Ça a chamboulé toute ma vie. Je vous jure que le docteur Gonzalez et moi, nous ne vous voulions aucun mal, c'est la vérité. Non. Pas au moment de l'erreur. Parce qu'il m'a expliqué, il m'a raconté. Ce qui m'a réellement blessée, c'est votre silence à tous les deux. Parce que vous vous êtes tus comme des lâches irresponsables qui ne veulent pas assumer leur erreur. Pourquoi Juana a-t-elle pris cette infirmière sur sa moto, docteur? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous savez? Je suis tout autant surpris que vous, lieutenant. Y a-t-il une possibilité pour que Juana ait déjà rencontré cette infirmière avant? En théorie, non. Si vous voulez, Carmen était censée me révéler toute la vérité et Juana ne devait jamais rien savoir. Alors pourquoi sont-elles parties ensemble? Qu'est-ce que Juana sait? Pourquoi n'est-elle pas venue me parler en premier? Il y a une chose, lieutenant. Ah, dites-moi, je vous écoute. Juana est passée à la clinique il y a quelques jours. Juste le jour où le docteur Gonzalez a été victime de cet accident fatal. Vous savez s'ils se sont parlé? Est-ce que le docteur Gonzalez a dit quelque chose à Juana? Mauricio Vega croit que le docteur Gonzalez a avoué toute l'histoire à Juana avant de mourir. Et le docteur Gonzalez m'a expliqué que si la vérité éclatait, qu'il pourrait perdre sa licence de médecin et que sa famille ne toucherait pas de retraite. Ça, je l'ai compris. Mais aucun de vous deux n'a pensé à moi. Juana, je vous en prie, pardonnez-moi. Si seulement il ne s'agissait que de pardonner. Carmen. Vous savez pourquoi je suis allée passer cet examen gynécologique? C'était l'une des conditions de la bourse que j'avais gagnée pour aller étudier à l'étranger. Juana, cette erreur a changé notre vie à tous. Je me suis sentie très mal après toute cette histoire d'insémination. J'ai dû renoncer à ce que j'aimais le plus, mon métier d'infirmière. J'ai dû quitter la ville et me cacher comme si j'étais une fugitive. Non, c'est ma vie qui a changé à cause de ça. Ma tranquillité, mes rêves, mon avenir. Carmen, je me voyais étudier la photographie, je ne me voyais pas ici, mais je suis coincée là. J'ai pu voir votre travail, j'ai pu admirer vos photos. Vous avez énormément de talent et aussi vraiment du courage. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie pour trouver des raisons d'avancer. Écoutez Gonzalez réclamer, me supplier de ne pas le dénoncer. Voilà en fait ce que je devrais faire. Non, Juana, je vous en prie, ne me dénoncez pas à la police, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, ne faites pas ça, je vous en prie. Ne me dénoncez pas, ne faites pas ça. Je vous en conjure, ayez pitié. Juana mérite d'avoir un homme sans aucun passé, Mauricio, sans complications. Un homme comme toi? Oui, un mec comme moi. Qui n'a de compromis avec personne, qui peut se concentrer sur elle pour la rendre heureuse. Tu as peut-être raison, David. Mais pourquoi tu viens me dire tout ça? Qu'est-ce que tu veux? Que je fête ta relation avec Juana? Non, tout ce que je veux, c'est que tu ne te mettes pas entre nous. Tu es marié, Mauricio. Tu dois respecter ta femme. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, hein? De plus, pourquoi tu ne respecterais pas aussi Juana? Écoute, je n'ai jamais
manquer de respect envers elle. Tu vas me dire qu'il n'y a rien entre vous? Sérieusement? Tout ce qu'il y a entre Juana et moi pour le moment, c'est une amitié. Et un arrangement pour l'adoption de l'enfant qu'elle va mettre au monde. Et alors, tout ce qui t'intéresse chez Juana, c'est d'adopter son enfant. C'est tout, rien de plus. Tu ne sais pas dans quelle panade tu t'es fourré en remettant ce rapport à Mauricio avant moi. Comment as-tu pu être aussi stupide? On s'était mis d'accord, toi et moi, non? Je n'ai rien pu faire. Mauricio attendait ces informations avec impatience. Ton boulot, c'est de m'appuyer, moi, pas Mauricio. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème, hein? Je suis certaine que ton père n'a rien à cacher. Mauricio comprendra qu'il y a une erreur. Je ne crois pas qu'il publie quoi que ce soit contre Rogelio. Non, Vivi. La seule erreur, c'est toi qui l'as commise en n'obéissant pas à mes ordres. Tu es en train de jouer avec les intérêts de ma famille, et ça, c'est plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. En fait, j'ai eu un pressentiment quand j'ai remis ces documents, mais bon... Désiré est en train de me mettre la pression. Désiré? Oui. Oui, Désiré. C'est elle qui a convaincu Mauricio d'accélérer l'investigation sur l'entreprise de construction de ton père et sa relation avec la mairie. Elle l'a fait comme si elle voulait passer au-dessus de toi. Comme si elle avait quelque chose de personnel contre ta famille. Ce n'est pas seulement l'enfant de Juana, mais aussi celui de Mauricio. Et c'est la bombe que nous devons faire exploser. Comment on va s'y prendre pour lui faire croire que Mauricio savait depuis le début? En tissant un filet avec des coïncidences pour que notre vérité soit la seule qui soit vraiment crédible. Maman, Juana n'est pas idiote, elle va chercher à savoir, elle va parler à Mauricio. C'est là qu'intervient le détail, ma chérie. Ce que tu vas dire à Juana va la mettre dans un tel état qu'elle ne voudra plus jamais entendre parler de ton petit mari. Elle va le détester et voudra le rayer une bonne fois pour toutes de sa vie. Et si jamais on échoue? Si Juana, au lieu de le détester, tombe encore plus amoureuse parce qu'il y a un enfant, un bébé qui les rassemble. Écoute-moi bien, Carlotta. Mets-toi 5 minutes dans la peau d'une jeune fille comme Juana. Comment te sentirais-tu si tu tombais amoureuse d'un homme plus âgé qui soudainement deviendrait ton confident, ton meilleur ami, puis ton premier amour, et qu'ensuite tu t'aperçoives qu'il faisait semblant de t'aimer pour te manipuler parce que depuis le début, il savait que l'enfant que tu attendais était le sien? Comment tu te sentirais? Je penserais qu'il m'a utilisée. Qu'il voulait que je lui remette le bébé pour qu'ensuite il se débarrasse de moi. Exactement. Et c'est ce que Juana va penser de Mauricio. Après ça, crois-tu qu'elle pourra lui pardonner? Je suis consciente que je dois me rendre, que je dois payer pour l'erreur que j'ai commise pour avoir gardé le silence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la justice dont j'ai peur, croyez-moi. Mais de quoi alors? Pourquoi vous ne parlez pas? C'est vous qui devez affronter tout ça et dire la vérité, Carmen. Non, Madame Carlotta est capable de faire n'importe quoi. Elle et sa mère sont venues me voir pour me parler et elles m'ont dit des choses terribles. Mais vous êtes sûre que c'était sa mère? Oui, oui, certaine. Elles sont venues me chercher toutes les deux. Elles m'ont offert une somme d'argent. Et oui, c'est vrai, je l'ai acceptée. Mais seulement parce que j'avais peur. Parce qu'elles m'avaient dit que je devais disparaître et que je devais garder le silence. Carmen et Mauricio? Mauricio sait qu'il s'agit de son bébé? Non, non, je n'en sais rien. Ce jour-là, j'ai parlé uniquement avec Madame Carlotta, sa mère, et une femme qui est venue me chercher au bar où j'étais en train de patienter. Elles m'ont menacée, elles ont dit qu'elles allaient me supprimer. Elles étaient avec un homme, et j'ai entendu qu'ils voulaient m'éliminer. C'est une femme extrêmement dangereuse. Elle a dit qu'elle était une amie de Madame Carlotta, mais je suis sûre que cette femme n'est amie avec personne. Désirée. Vous devez être en train de me parler de Désiré. Désiré connaît la vérité. Oh, cette Désiré, c'est la pire de toutes. Tout le monde croit que c'est une bonne amie et qu'on peut lui faire confiance. Cette femme est venue me chercher avec un homme. Elle m'a dit qu'il pouvait me supprimer s'il voulait et que personne n'en saurait rien. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas parler? Alors c'est pour ça que nous devons nous écraser, c'est ça la raison? Juste parce qu'on a peur, on va les laisser nous contrôler et nous manipuler? À qui voulez-vous qu'on parle? À la police? Regardez ce qui est arrivé au docteur Gonzalez. Non, 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 il a eu un accident. Je n'en suis pas si sûre que ça, voyez-vous. Ça les arrangeait bien que le docteur ne puisse pas parler.
Et comme par hasard, il ne pourra plus jamais rien dire. Vous auriez dû voir la tête de cette Désirée quand elle a pris la parole. Son expression était tellement menaçante. Oui, je sais, je vous crois. Je me souviens un jour au magazine, elle m'avait dit qu'elle savait qui était le père de mon enfant, mais elle n'avait pas osé m'avouer que c'était Mauricio. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître une fois pour toutes? Après, je ne vous embêterai plus avec ça. Vous ne voyez pas que la curiosité est en train de me rendre folle? La seule et unique chose qui devrait te rendre folle, Lily, c'est la somme d'argent que tu vas gagner si tu me montres que tu sais bien faire marcher le business. Pour le reste, il n'y a rien à en dire, ça ne te concerne pas. Obéis-moi, Lily. Aurais-tu oublié ce qui peut arriver aux gens qui ne m'écoutent pas? Tu veux finir comme Piranha empaillé dans un tonneau? Ici, la seule personne qui a peur que je m'approche beaucoup trop près, c'est vous. Je vois bien que vous tremblez parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui boue. Je sais que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Pourquoi vous ne l'admettez pas une bonne fois pour toutes? L'histoire d'adoption du bébé de Juana, ça ne te regarde pas, David. Il s'agit d'elle, Carlotta et moi. Aussi, j'apprécierais que tu ne t'en mêles pas. Parfait. Je ne me mêle pas de l'affaire du bébé. Mais Juana me plaît et ça, ce sont mes oignons. Tu crois que je suis aussi stupide et machiste pour la laisser tomber simplement parce qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre que moi? Très bien. J'ai bien saisi ce que tu veux. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Juana t'a-t-elle dit qu'elle t'aimait, David? Eh bien, Juana doit d'abord prendre sa vie en main. Elle a des questions en suspens auxquelles elle doit répondre. Terminer cette histoire d'adoption du bébé avec toi et Carlotta. Finaliser tout ça pour qu'elle puisse remettre l'enfant. Et puis ensuite, j'essaierai de faire ma vie avec elle, oui. Bon, tu essaieras. Tu essaieras, David? C'est comme ça que tu vois ton avenir? Hein? Une vie aux côtés d'une femme qui ne t'aime pas? Je crois que tu fais fausse route, Lily. Tu es en train de vivre un fantasme qui n'existe pas. Un fantasme? C'est exactement ça. Je fantasme grave sur vous, et depuis un sacré bout de temps. Dis-moi une chose. Tu aimes les femmes ou tu préfères les hommes? C'est toi que je préfère. Et qui que tu sois, bien que j'ai ma petite idée. Je suis une femme de pouvoir, et plutôt dangereuse. C'est de ça que tu parles? De la façon dont je peux écraser quelqu'un qui se met sur mon chemin, toi y compris? Willy? Assure-toi que tu possèdes bien tous les bons numéros de lavage. Nous ne voulons pas d'embrouilles, d'accord? Si vous remettez de la drogue à quelqu'un qui vient juste laver sa voiture, vous allez le payer cher, c'est bien clair? J'ai appelé Madame Carlotta, mais cette Désirée a décroché et elle m'a piégée. Je pensais que j'étais en train de parler à Carlotta et lui ai confié mon angoisse quand je vous ai vue. Vous m'avez vue? Oui, lors d'une interview à la télévision avec Monsieur Mauricio pour un problème de drogue dans un lycée, je ne sais plus. Et quand je vous ai vus ensemble, j'ai pris peur, je ne savais plus quoi faire. Très bien, Carmen, mais qu'est-ce que Désirée vous a dit? Désirée voulait que je lui raconte toute la vérité, seulement je me suis rendu compte que ce n'était pas Madame Carlotta et j'ai raccroché immédiatement. Mais le problème, c'est qu'elle avait pisté mon appel et qu'elle est venue me trouver où j'étais. Je n'arrive pas à croire que cette femme puisse aller jusque-là. Je ne savais pas que Monsieur Mauricio et vous, vous vous connaissiez. Quand je vous ai vus ensemble, j'étais catastrophée. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu tout raconter. Mais voilà, ils ne m'ont pas laissé faire. Mais ils sont tous au courant. Tout le monde. Et Mauricio? Si sa femme est au courant, sa belle-mère... Et même cette vipère de Désirée. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que Mauricio ne le sache pas. Maintenant, si Juana ne m'a pas encore accepté, c'est parce que... Eh bien, parce qu'elle n'a pas la tête à tomber amoureuse en ce moment. Sa vie est un véritable casse-tête, surtout à cause de ce type qui... Quel type, David? Eh bien, le type qui l'a mise enceinte. Je sais que Juana préfère éviter le sujet, ça la met mal à l'aise, elle se met à rougir, elle n'aime pas que l'on mette ce sujet sur le tapis, mais bon... J'ai l'impression parfois que Juana est un peu naïve, tu vois. Au contraire. Pour moi, elle me semble parfaitement déterminée et sûre d'elle-même. Et pour certaines choses, oui, c'est vrai, mais pour son travail, par exemple, pour sa famille, pour les études, pour tout ça, elle est très sûre, mais bon... J'en sais rien, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, Mauricio, mais... C'est quelque chose à laquelle je pense et... Oui, Juana est une jeune femme très sûre d'elle-même.
Mais en même temps, je sens qu'elle est très innocente, qu'elle est... Je ne sais pas, qu'elle est toujours... Elle est vierge. Comment ça, elle est vierge? Tu es en train de me dire que Ruana est vierge, mais enceinte? David et Mauricio sont toujours en réunion. De quoi peuvent-ils parler? David t'a déjà donné les résultats de l'enquête. Jessica, tu sais quelque chose? J'en sais rien, Enriqueta, je n'en sais rien. Peut-être qu'il règle une affaire personnelle, va savoir. C'est possible, oui. David passe son temps avec Ruana, il ne la lâche pas une seule minute, il la suit comme son ombre. C'est possible qu'il parle de ça. Je préfère penser que non. Oh, Jessica, je t'ai déjà dit de te faire une raison avec ça. En plus, c'est jamais bon de mélanger travail et vie personnelle, croisant mon expérience. Enriqueta, je t'en prie, non, stop! Je n'ai vraiment pas envie d'entendre ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en train de devenir folle. Il y a quelques semaines, David avait mis un point final à sa relation avec Ruana, mais là, franchement, je ne sais plus. Je pensais que le ventre de Ruana allait finir par éloigner David, mais là, je ne comprends plus rien. Tu sais, parfois les gros ventres attrapent de gros poissons. Eh oui, Jessica. Écoute, le ventre tout rond a quelque chose de magique. Le charme occulte de la maternité. Waouh. Le lieutenant Sarmiento est avec Ana Maria, la mère de Ruana. Elle sait peut-être quelque chose. J'ai peur pour cette jeune fille. Carmen était très en colère. C'est vrai. Mais nous ne savons pas où elles sont. Ça complique encore plus la situation de Carmen. Non seulement elle est complice de mauvaises pratiques médicales, et en plus maintenant, elle fuit devant la justice. Et Ruana l'aide à disparaître. Ça n'a pas de sens. Désolée, mais personne n'a disparu. Nous sommes là toutes les deux.